Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme et que tout se passe très très bien pour vous. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Dragon Ball Xenoverse 2. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner, à laisser un petit pouce bleu pour montrer ton soutien, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, nous allons commencer ce nouveau Z Combo. J'ai sélectionné deux joueurs, donc aujourd'hui il y aura deux combos. Et ce sont les combos des abonnés. Donc ces combos-là, ce ne sont pas mes combos à moi. Donc ce sont vos combos à vous. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Allez, nous allons commencer. Et le combo est de Jin 95-100. J'ai sélectionné ton combo. Alors bien sûr, les amis, pour partager des combos, n'hésitez surtout pas à me les laisser sur mes réseaux sociaux. Vous pouvez très bien aussi les partager dans l'espace communauté. Si possible, de laisser un screenshot de votre personnage. Comme ça, on peut se faire une idée de l'image de votre personnage. Donc, le combo que tu m'as proposé, c'est avec frappe de colère, oméga géant, colère divine et découpe instantanée. Donc, comme vous pouvez le constater, frappe de colère ne peut pas se placer avec les combos, en tout cas les attaques spéciales que tu m'as proposées. Oméga géant ne passe pas après frappe de colère sans utiliser de stamina break. Donc pour pouvoir placer ce combo, vous êtes obligé de placer un stamina break. Vous devez enlever l'endurance de votre adversaire. C'est vraiment un combo finish. Ce combo là, c'est vraiment pour finir votre adversaire. Donc une fois que votre adversaire n'a plus d'endurance, vous lui faites un stamina break et là vous claquez frappe de colère. Et là vous pouvez constater que frappe de colère passe. Et ça vous permettra tout simplement de continuer vos combos. C'est un combo qui fait beaucoup de dégâts. En plus c'est basé sur la super frappe. Donc si vous avez un personnage basé sur la super frappe, vous allez faire grave de dégâts. Parce que toutes les attaques spéciales et l'attaque ultime étant super frappe. Alors ce que je vous conseille bien sûr, même si vous avez un personnage qui quoi, vous pouvez très bien utiliser ce genre de combo. Mais avec un personnage en super frappe, ça va faire encore plus de dégâts. Donc vous devez enlever toute l'endurance de votre adversaire, en tout cas pendant le combat, essayez. C'est-à-dire vraiment quand votre adversaire n'a plus d'endurance, quand vous allez placer votre stamina break, vous faites frappe de colère, oméga géant, vous envoyez colère divine, ça touche. Et là, vous faites découpe instantanée. Et ça fait environ 23 000 de dégâts, voire plus. Donc vraiment, c'est un combo qui va faire grave de dégâts. En plus, si vous placez ça au milieu du combat, je pense que vous n'avez même pas le temps de claquer l'attaque ultime. Vous allez enlever toute la barre de vie de votre adversaire. Je pense que vous n'avez même pas le temps d'activer l'attaque ultime. Et comment bien placer ce combo? Alors, il vous faut une plateforme en dessous pour pouvoir envoyer votre adversaire au sol, parce que quand vous faites frappe de colère et après oméga géant, ben certaines techniques à une certaine distance ne passent pas, donc vous allez toucher à moitié. Alors ce que je vous conseille, c'est de le faire à un niveau assez bas de la map, ou alors vraiment essayer de mélanger les techniques, c'est-à-dire si vous avez assez de ki, vous pouvez très bien placer par exemple deux attaques spéciales au lieu d'une. Vous faites oméga géant après avoir claqué frappe de colère, vous faites colère divine et après vous envoyez découpe instantanée. Et vous allez faire vraiment beaucoup de dégâts. Et il y a plusieurs façons de le placer ce combo, ce qui est vraiment super intéressant. Si vous voulez enlever toute la barre de vie, ben, il vous suffit de claquer deux attaques spéciales. En claquant deux attaques spéciales, vous allez enlever toute la barre de vie. Faites le stamina break, frappe de colère, oméga géant, vous envoyez colère divine, vous refaites oméga géant, vous refaites colère divine, et là vous faites découpe instantanée. Et là vous enlevez toute la barre de vie. Vraiment c'est un combo qui est très très puissant, plaçable différemment, et je le trouve quand même super stylé. Je pense que je vais me faire un petit pré-réglage de ce combo, histoire de jouer un petit peu online avec ces techniques là. En tout cas vraiment, c'est un combo qui est fort bien sympathique. On voit quand même qu'il y a eu un petit peu de recherche. Et c'est quand même assez sympa. Ça fait beaucoup penser à Dragon Ball. Et c'est ça qu'on aime sur la chaîne. C'est ça qu'on aime.
On veut des combos comme ça, comme je vous ai montré depuis le début. Deuxième combo que j'ai sélectionné, Omar Zeidan. Ce combo là se joue avec lumière tranchante, déferlante dragon, coup final et épée du héros. Alors comment bien placer épée du héros avec ces techniques là? Alors je vais vous montrer. Alors déjà, lumière tranchante est une technique assez longue à activer. En plus, vous pouvez vous téléporter. Déferlant dragon est assez rapide et coup final aussi. Mais épée du héros, il y a une façon de placer épée du héros. Alors je vais vous montrer. Déjà, les attaques spéciales sont assez simples à placer. Le combo de Omar Zeidan est assez simple à placer, mais c'est au niveau de épée du héros que ce n'est pas simple. Bien sûr, ce combo-là aussi vous demande de faire un stamina break, parce que vous ne pouvez pas claquer tout simplement lumière tranchante et déferlant dragon et coup final et bien sûr après épée du héros sans claquer de stamina break. Vous faites coup final, vous envoyez lumière tranchante et là vous faites déferlant dragon. Et si vous envoyez épée du héros, ça peut toucher mais ça fait pas combo. Vous pouvez toucher et faire autant de dégâts mais ça ne fait pas combo, c'est-à-dire le combo n'est pas confirmé par le jeu. Vous pouvez très bien constater que quand vous allez enlever toute l'endurance de votre adversaire et que vous allez lui faire un stamina break, pour après faire coup final, vous faites lumière tranchante, déferlante dragon, vous envoyez épée du héros, ça va toucher, mais le combo n'est pas confirmé. Comme vous pouvez voir, ça annule le chiffre du combo. Comment bien placer ça? Alors, tout simplement, il vous suffit de changer la façon dont vous placez vos combos. Vous enlevez déjà toute la barre de vie, toute la barre d'endurance de votre adversaire. C'est vraiment avec le stamina break que vous allez pouvoir placer ce combo là. Vous enlevez toute l'endurance de votre adversaire, vous lui faites le stamina break. Et là vous faites coup final directement, vous faites déferlante dragon au lieu de lumière tranchante. Et à la fin vous faites lumière tranchante et vous lui faites tout simplement un petit triangle rond pour le projeter. Et là vous faites épée du héros et ça passe, le combo est confirmé. Comme vous avez pu le constater, ça fait 10 combos, seulement 10 combos, mais qui font beaucoup de dégâts, ça fait beaucoup de dégâts, et avec style. Je trouve vraiment que ce combo est super stylé. Il faut avoir une petite maîtrise pour le faire. Vous faites coup final, déferlant dragon avec la téléportation, faites lumière tranchante, et vous projetez votre adversaire avec triangle et rond, et vous envoyez épée du héros. Bien sûr, attendez que votre adversaire soit un petit peu au sol, parce que si vous l'envoyez trop vite, ça va pas passer. Ça va pas passer. C'est pour ça que je vous disais, il y a une façon de placer ce combo et d'avoir la confirmation du combo. Faites le stamina break, coup final, déferlante dragon. Vous envoyez lumière tranchante chargée pour se téléporter. Vous projetez votre adversaire, vous attendez un petit moment. Et là, vous envoyez épée du héros et ça confirme. Et ça fait 10 combos qui font beaucoup de dégâts, environ 22 000. De dégâts. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Les deux combos que j'ai sélectionnés aujourd'hui sont vraiment super stylés. Alors vraiment, vous me surprenez beaucoup. Ça se voit quand même qu'il y a de la recherche. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Comme vous avez pu le remarquer, je fais beaucoup de combos depuis le début de ma chaîne. Et là, je vois que vous aussi, vous faites des recherches au niveau de vos combos pour pouvoir tout simplement kiffer dans vos combat. Et c'est ça qui est super stylé les amis. Si vous placez ces combos là dans les combats online, vous allez faire beaucoup de dégâts à vos adversaires et avec style les amis, avec style je dirais. En tout cas moi, toujours un plaisir de vous partager du contenu. Je vais peut-être me faire 2 pré-réglages avec vos combos. Ils sont vraiment super stylés. En tout cas moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à partager cette vidéo là avec vous. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires sur ces 2 combos là. Ce sont les combos des abonnés. Je vous donne rendez-vous très très vite. Et à plus les amis pour le prochain Z combo. Jana!